Ok. Alors, chers amis, on va revenir à l'affaire Plus-Chéri Ballet. Je vous demande déjà d'inviter tous ceux qui soutiennent aussi Plus-Chéri Ballet, les partisans actuels de Plus-Chéri Ballet. Voilà. Bipez-leur, dites-leur que Zasso vous appelle. Voilà, Zasso vous appelle. Parce qu'il y a, y a des choses, je vous ai dit, on n'est plus. Ça dit, le temps de s'amuser, là, c'est terminé. Voilà, on n'est plus à un stade, il faut jouer avec certains Ivoiriens. Parce que souvent, j'entends les gens dire, la Russie est maintenant avec le Mali. La Russie et le Mali avec la Russie. Quand je l'écoute, je les écoute parler, moi, je ris. Alors, chers amis, partagez énormément cette vidéo. Nous allons revenir sur le cas Plus-Chéri Ballet. Il y a beaucoup qui se plaignent du fait que l'arrestation de Plus-Chéri Ballet ne s'est pas faite dans le strict respect de ses droits. J'ai entendu beaucoup de personnes qui m'envoient des messages depuis les États-Unis qui sont parentés même à certains ministres de la République, qui sont dans mon WhatsApp, qui m'envoient des messages pour dire non. En Côte d'Ivoire, le droit n'est pas respecté, Plus-Chéri Ballet, ceci, cela, comme si c'est eux seuls qui vivent en Europe. Nous tous, nous vivons dans des pays de grande démocratie. Et je l'ai dit, dans les pays où nous vivons, nous savons ce que c'est que la place de la société civile. Je sais qu'à un certain moment donné de l'histoire de notre pays, il y a des individus. Il y a un monsieur qu'on appelle Samba David. Samba David ne s'appelle pas Samba David. Il ne s'appelle pas Samba David, il s'appelle Duyu Nikez. C'est un militant FPI, c'est un pro-Gbagbo que moi je connais. C'est un militant pro-Gbagbo que je connais. Quand Gbagbo était au pouvoir, il était au front, il était parmi les jeunes patriotes. Alors, je suis surpris qu'aujourd'hui il dise qu'il s'appelle Samba David et qu'il est de la société civile. Tu peux pas être en même temps de la société civile et puis tu vas être pro-Gbagbo. Non. Tu peux pas être de la société civile et puis. En fait, vous ne connaissez pas le sens de la société civile. En Côte d'Ivoire, dans notre pays, là, il n'y a pas de société civile. C'est des bandes d'escrocs. C'est des bandes d'ignorants, de haineux, qui utilisent le nom société civile pour servir les hommes politiques. Parce que les hommes politiques sont en panne de stratégie d'idées. En Côte d'Ivoire, ils sont en panne, nos opposants, la plupart. Mais ce n'est pas un hasard, parce que ces opposants ont déjà gouverné la Côte d'Ivoire. J'ai dit toujours aux uns aux autres, que ce soit Gbagbo, que ce soit Soro, que ce soit Bédié, ils ont déjà gouverné ce pays. Donc, les laisser encore à la tête de vos systèmes politiques, elles sont des erreurs graves que vous ne comprenez pas. Macron peut pas être président en France. Il a affronté le peuple français. Il a convaincu les Français. Et puis, chez vous, vous vous accrochez encore à des gens qui ont dirigé ce pays et qui ont créé des guerres, qui n'ont même pas été capables de protéger, de défendre vos États. Qui n'ont même pas été capables de vous défendre. Ils étaient au pouvoir, il y a eu des coups d'État, il y a eu des rébellions. Une fois que tu es au pouvoir et qu'il y a eu des rébellions, qu'il y a eu des coups d'État, le peuple ne peut plus te faire confiance. Parce que tout président qui veut au pouvoir prête serment. Quand on prête serment, c'est pour défendre et protéger le peuple. Aux États-Unis, là, regardez ce qui se passe dans les pays développés. En France, pourquoi on a des partis? On a des partis. Parce qu'il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo et autres. À un moment, il y avait des actions terroristes en France. Le peuple français a regardé parce que le français, les blancs, comme ils sont allés loin, c'est-à-dire là-bas, la base, c'est l'éducation. On a fait de sorte que chaque citoyen ait le minimum de connaissances pour savoir défendre ses droits et défendre son pays. Savoir faire la différence entre son pays et l'ignorance notoire, entre son pays et la haine. Chez nous, ici, il y a trop de haine. Parce que le taux d'alphabétisme est souvent trop élevé. Les gens confondent la politique et leurs problèmes de personne. C'est pas ça la politique. La politique, là, on l'a fait pour apporter un plus à son pays. Défendre les droits, défendre la stabilité, tout ça, développement et tout. C'est pour ça qu'on appelle ça. C'est sa contribution. Tu viens, tu dis, voilà ce qui est dans ma tête, voilà ce que je veux. On ne fait pas la politique pour juste venir exposer sa haine, les injures, les menaces. C'est pas ça. C'est pas ça la politique. Regardez en France. Comment elle s'appelle Mélenchon? Quand
Quand le Mali faisait ces bêtises-là, Mélenchon attaquait le Mali. C'est un opposant. Il attaquait le Mali. Quand les intérêts de la France, quand les intérêts de la France sont en jeu, tous les Français se mobilisent. Nicolas Sarkozy, c'est fils d'immigrés. Obama est fils d'immigrés. Mais leur combat là, ça a été la France, ça a été les États-Unis. Ça a été la France, ça a été les États-Unis. Eux là, ils ont déjà, ils sont américains. Ils sont français, ils ont la nationalité. Leur premier combat, c'est les États-Unis. Origine là, ça, c'est pas leur problème. L'origine, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est ceci, c'est l'Italie, c'est la Suisse. C'est ça, c'est ce qui les intéresse. Ici, chez nous, on ne comprend rien. Tu essaies de faire des vidéos chaque jour pour leur dire. La politique, là, ce n'est pas l'inculture. Si tu es inculte, tu es analphabète, ce n'est pas la peine de te mêler des affaires politiques. Passe à autre chose. Et laisse la politique à ceux qui peuvent protéger le pays, défendre le pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers amis, on va revenir à l'affaire de Pulcherine Balé qui a été arrêtée. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens m'appellent à son nom. Mais moi, je suis obligé de vous dire toujours la vérité. Je vous dis toujours, la démocratie aussi, c'est le respect de la justice. La démocratie, c'est aussi le respect de la justice. La démocratie, ce n'est pas seulement que la haine, les injures. Non, ce n'est pas ça. La démocratie, c'est le respect aussi des décisions de justice. Si tu n'es pas prêt à respecter les décisions de justice, tu n'es pas un démocrate. Tu es un broussard simplement. Tu es un broussard. Si tu n'es pas prêt à respecter les décisions de justice et tu n'es pas prêt à laisser la police faire son travail, c'est que tu es dangereux pour le pays. Parce que les policiers, là, eux aussi sont payés pour ça. De toute façon, toi, tu es payé pour être professeur, pour être médecin, pour être infirmier, pour être ceci. Pour, de toute façon, toi-même, tu as créé ton entreprise pour être au service de l'économie du pays. Les policiers ont prêté serment pour défendre nos États. C'est pour ça qu'ailleurs, on respecte la police. Chez nous, c'est vrai, beaucoup de policiers n'ont pas encore compris pourquoi ils sont policiers. Parce que souvent, ils se mettent dans des trucs bidons, dans des... Mais la police doit être respectée. Pulcherine Balé a été arrêté hier de façon légale. J'ai appris des gens qui disent, non, on l'appelait pour venir chercher son passeport. Mais c'est normal. La police, quand la police a déjà des preuves graves contre toi, elle est capable d'utiliser tous les moyens nécessaires pour mettre la main sur toi. On n'a pas besoin d'envoyer une convocation même à Pulcherine Balé. Moi, je vis en Suisse. Je sais ce que c'est que les interpellations. J'ai beaucoup de mes frères réfugiés qui sont turcs, qui sont espagnols, qui sont ceci, ce sont cela. Moi, je sais à quel moment la police vient les interpeller. Sans même convocation. Sans une convocation, la police arrive, on dit voilà. C'est là-bas là que ton avocat et toi, vous allez parler. Elle est qui? Et puis on va lui envoyer une convocation. Elle est qui? Et puis on va lui envoyer une convocation. On dit, ces avocats disent, on n'a pas besoin, la police n'a même pas besoin même de lui envoyer une convocation. Moi, j'en suis là. Si je fais quelque chose et que la police sait à tous les éléments de preuve contre ma personne, elle peut venir m'interpeller. C'est normal, c'est arrivé là-bas. Je demande mon avocat, j'appelle mon avocat. Et mon avocat, c'est un droit pour lui de me suivre. Ici, quand on dit aux avocats de venir défendre vos clients, ils ne veulent pas. Non, mais c'est un droit pour toi, puisque le client te paye, la cliente te paye. C'est de l'argent qu'on te donne. Donc, ça doit être un droit pour toi de défendre la cliente. Il ne faut pas le politiser par tout. Et maintenant, on va revenir. Ici, quand on a commencé, nos 49 soldats ont été arrêtés. Le Conseil national de sécurité a fait une conférence de presse. Le Conseil national de sécurité, pardon, qui a été, comment on appelle ça, présidé par le chef de l'État. C'est-à-dire, on parle de la sécurité de notre pays. Le président Ouattara était là. Quand Assimi Goïta était nos soldats, il a pris nos soldats en otage. Le président Ouattara et la sécurité nationale ont été clairs. Toutes les preuves, les éléments de preuves demandées par les autorités maliennes ont été remis aux autorités maliennes. Même quand ils sont arrivés au Togo, eux-mêmes qui ont demandé, le président togolais est devenu se mêler de leur propre affaire, les mêmes
ont désobéi au président togolais. C'est sous vos yeux ici qu'on a arrêté les soldats, que Soro a dit, si ce n'est pas Togo, c'est Congo. Le lendemain, quand nous on a parlé, j'ai été clair, j'ai dit Soro veut Togo parce qu'il veut manipuler le président togolais. À la veille même de ça, le Togo a été attaqué par des djihadistes. Et j'ai toujours été clair, les pouvoirs militaires qui accèdent au pouvoir sont souvent en complicité avec les terroristes et les djihadistes. Ce qui se passe au Mali, là, moi je vous ai déjà dit, si Assimi Goïta a pris le palais, c'est parce que Assimi Goïta, quand ils étaient soldats, c'est eux qui utilisaient les djihadistes contre Ibeka. Ce sont ces soldats-là qui utilisaient les djihadistes contre le pouvoir Ibeka. Des soldats qui n'ont même pas été capables de mater des djihadistes. Et les djihadistes arrivent jusqu'à Bamako. Les djihadistes font pression sur le pouvoir de Ibeka, alors qu'il y a une armée qui a été formée. Des gens à qui l'État a donné tous les moyens. Les armes que vous appelez les armes russes, là, Ibeka a payé les mêmes choses. Le partenariat russe, Mali, ce n'est pas maintenant que ça a commencé, c'est des années. Ibeka allait payer des avions, même si on leur a donné ça. Mais ils sont incompétents. Ils veulent le palais, ils veulent le pouvoir parce qu'ils savent qu'au Mali, les gens sont très riches, les gens ont l'argent. Donc eux aussi, ils veulent avoir l'argent, les militaires. Ils veulent venir dans les palais aussi pour voir ce qui se passe dedans. Au Mali, là, c'est des individus qui sont riches. Ils sont même partenaires des djihadistes. Ils sont même partenaires des mercenaires. Mali, là, ceux qui sont là-bas, ce sont les indépendantistes qui occupent les 70% du territoire national malien. Ce sont les fils du Mali. Je vous dis ça toujours, ce sont les fils du Mali, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est comme quand Soro a fait rébellion en Côte d'Ivoire ici. Il était à Boaké. Il était à Boaké et il a recruté des gens. Gbagbo était contraint à discuter avec Soro parce que Soro est un fils ivoirien. C'est pour ça que je dis, quand tu es au pouvoir et que des gens tentent de te déstabiliser, il faut les mater. N'arrive même pas aux négociations. Il ne faut même pas arriver aux négociations. Quand tu apprends qu'il y a quelque chose qui se prépare, tu as des ministres des Affaires étrangères, tu es ministre de la Sécurité, toi le président, tu te déplaces, tu règles des problèmes. Pourquoi le peuple va savoir? On a donné conseil au président, ils n'ont pas écouté. On était là quand il y a eu la rébellion de 2002. Donc Soro est dans le même esprit. Il a essayé le Burkina Faso. Ça n'a pas marché, les Diendéré sont en prison. Les Diendéré sont en prison une minute. Il a essayé le Burkina, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Soro vise le Mali. Le seul combat de Diom Soro, partagez la vidéo, chers amis. Le seul combat de Diom Soro, comment faire du Mali sa base arrière. Aujourd'hui, là, beaucoup de pro-Soro, je dis bien beaucoup de pro-Soro, sont au Mali. Et les pro-Soro au Mali, à 99%, sont des Maliens. Les pro-Soro au Mali, à 99%, sont des Maliens. C'est ceux-là, aujourd'hui, qui s'organisent à recruter des gens au Libéria, partout. Où on est là, ce n'est pas de l'amusement. Moi, je vous dis chaque jour. Moi, en Côte d'Ivoire, j'étais ici. J'étais en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu la rébellion de 2002. Quand il y a eu le coup d'État de Bédié. Contre Bédié. Non, les problèmes de mon pays me tiennent beaucoup à cœur. Et ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la sécurité et le développement. Mais surtout la sécurité. Parce qu'un pays qui n'a pas de sécurité va toujours plonger de crise en crise. C'est pour ça aujourd'hui, quand je soutiens le président Ouattara, je suis à l'aise. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, nos frontières partout, le pays est protégé. Un pays fort doit avoir une sécurité capable de mater tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est rébellion, tout ce qui est mutinerie, tout ce qui est voyousie et une justice forte. Et là, pour le moment, à Côte d'Ivoire, nous, on est bien parti. Au niveau du système actuel, nous, on est très bien parti. Alors, j'ai été clair. J'ai dit, Plucherie Mbale, on ne doit pas la soutenir. Ceux qui soutiennent Plucherie Mbale sont des dangers pour la Côte d'Ivoire. Soit, je sais, la plupart sont haineux. La plupart sont haineux. La plupart veulent se venger. La plupart veulent qu'il y ait un coup d'État. La plupart veulent en finir avec le président Ouattara. La plupart veulent en finir avec les assos qui soutiennent le RHDP, qui sont RHDP
et qui soutiennent le président Ouattara. Nombreux veulent aujourd'hui un match retour. Ça, il ne faut pas avoir se cacher ça. Il ne faut pas avoir se cacher ça. C'est pour ça que depuis quand les gens parlent de la réconciliation, les quoi, moi je leur dis arrêtez de narguer le peuple. Un pays là, la réconciliation ne peut pas se faire sans la justice. Sur le Rwanda aujourd'hui, la stabilité, c'est parce que le Rwanda a mis la justice au cœur de tout. Le Rwanda a mis la justice au cœur de tout. Dans un pays où des individus se sont levés, qui ont commis des crimes, qui ont tué, qui ont porté atteinte, comment on appelle ça, atteinte à la sûreté de l'État, qui ont créé des coups d'État, qui ont fait des rébellions, ils doivent être jugés. Ils doivent être jugés. Les sentiments réconciliatoires, c'est des conneries, c'est pour faire endormir les gens. Et puis, Martin est venu faire des coups d'État. Martin est venu faire des coups d'État. Et moi, je suis toujours craint dessus. Je dis, vous allez beau faire. Je connais la mentalité en Côte d'Ivoire des hommes politiques. Ils ont déjà eu de l'argent. Ils savent ce qu'il y a au palais. Ils savent qu'en Côte d'Ivoire, quand tu as le pouvoir, tu es comme un dieu. Quand en Côte d'Ivoire, tu as le pouvoir, tu peux tout te permettre. Il y a l'argent. Tout est concentré dans la main de l'État. Ils savent. Ils savent. Et ils sont conscients que la majorité des Ivoiriens sont pauvres. La majorité des Ivoiriens sont pauvres. Donc, ils profitent de cette pauvreté pour instrumentaliser les Ivoiriens. Au Ghana, les Ghanéens aujourd'hui, à 90%, ont réussi à maîtriser leur économie. Les Ivoiriens, ils ne maîtrisent rien. L'Ivoirien même, je dis bien l'Ivoirien, c'est pas facile. Donc, il y a des combats qu'on est en train de mener pour donner l'économie aux Ivoiriens. Ça va permettre à l'Ivoirien lui-même de connaître la valeur de son pays, de mieux défendre son pays, d'être au cœur de son pays. Si on arrive à là, vous allez voir qu'on est bien parti. On est bien parti. Quand chaque Ivoirien sera occupé, préoccupé à faire ses affaires, quand chaque Ivoirien partout au nord, à l'est, à l'ouest, quand les gens, les mairies, les communes vont se développer, les gens vont au travail, vous allez voir que l'Ivoirien va plus aimer son pays. Mais quand tu ne travailles pas, tu es pauvre, tu es dans la condition, tu es beaucoup rempli de haine. Et en cela aussi, on va choisir aussi des dirigeants responsables. Parce qu'à la tête des partis politiques, il faut mettre des hommes responsables qui aiment la Côte d'Ivoire. De vrais patriotes. Pas des populistes. Des hommes égoïstes qui vont venir donner le pouvoir aux gens, faire des coups d'État, rébellion, créer le désordre. Voilà pourquoi Pichérine Balé a été arrêté. Bipé, les partisans d'Assimi de Pichérine Balé. On va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo. Ce n'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis partie au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venue, on dit, il ne faut pas que j'aille parler de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Toujours est-il que, dans l'actualité, nous voyons que il y a des gens qui s'en prennent aux Maliens. Moi, je suis ivoirienne. Je dois défendre l'État de Côte d'Ivoire. Je dois défendre mon pays. Mais en même temps, autant il y a des étrangers ici, autant il y a des Ivoiriens qui sont étrangers ailleurs. Donc, dans le traitement qu'on a envers les étrangers, là, on doit penser aussi à nos frères qui sont ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je parle, ce n'est pas que je défende les Maliens, mais il faut qu'on soit objectif. Cette affaire-là, qui a commencé? C'est nous qui avons commencé? Donc, a priori... Voilà. Voilà. Maintenant, elle touche le point. Cette affaire, qui a commencé? C'est nous qui avons commencé. Toi, l'État, ton pays te dit, parce que généralement, il y a trop d'analphabètes derrière leur mouvement, derrière beaucoup de choses. Les Américains ne peuvent pas dire, voilà notre déclaration, même en Russie. C'est-à-dire, Russie, vous prenez pour faire exemple, là, en Russie, là, quand Poutine a parlé, les autorités russes ont parlé, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a dit le contraire en Russie. Parce qu'il s'agit de la sécurité nationale du pays. Toi, Pichérine Balé, on te dit, voilà ce qui s'est passé. Au Togo, les audios des conversations entre nos autorités ivoiriennes, la délégation ivoirienne et la délégation malienne. La délégation malienne voulait faire du chantage à nos députés, à nos autorités. Je vous ai dit, le directeur de cabinet, Fidel Sarasoro, devant le président togolais, a fait sortir les audios des conversations entre la Côte d'Ivoire et le Mali
depuis l'arrestation de nos soldats le 10 juillet. Le président togolais n'a plus eu de bouche pour parler. Il n'a plus eu de bouche pour parler. Ils ont fait sortir toutes les preuves pour dire que nous, là, on est sérieux. On n'a pas besoin de faire des coups d'État. Assimi Goïta, son problème, là, c'est le peuple malien qui va régler. Nous, on n'est pas pressé. Son problème, là, c'est le peuple malien qui va régler. Parce qu'il est venu par coup d'État. Aujourd'hui, là, regardez là. Doumbouya, Assimi Goïta, quand il sort. Assimi Goïta, vous ne pouvez même pas le voir au Mali dans le peuple. Il n'est plus dans la population. Il est toujours entouré de ses soldats parce qu'il n'a pas, confiance en lui aujourd'hui. Non, lui, là, son problème, là, nous, ça ne nous intéresse pas. On te dit que voilà ce qui s'est passé. Toi, comme tu soutiens Soro, tu es pro-Soro, tu prends tes bagages, tu vas au Mali. Mais tu as participé à l'insurrection. Nous, on sait. On sait le rôle que tu jouais auprès de Bédier, auprès de Babo et auprès de Soro. Nous, on sait. Je l'ai dit que ce Pichéri Mbalé n'était pas en Côte d'Ivoire quand Soro était à la tête de la rébellion. Quand Soro et Gbagbo dirigeaient ce pays, Pichéri Mbalé n'était pas là. Non, les violations des droits de l'homme à l'Ouest, du Trozon, Korogo, partout, tous ces gens qui ont été tués, elle n'a pas vécu. Moi, je dis qu'elle est inconsciente. Je le dis ça à chaque fois. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à la société civile et tu vas te comporter comme une femme voyou, une bandite. Non. La Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, les Soro que tu soutiens, Soro a fait rébellion. Soro a créé la... Nous, on combat Soro parce qu'on connaît son histoire. On combat Soro parce que nous, on connaît son histoire. Toi, tu soutiens Soro parce que tu veux que Soro devienne président. Allez-y, mais quand les Soro sont en direct, sous les... mais tu ne vas pas finir chez nous, tu vois ses commentaires, mais sous les portes de Soro, je regarde, et de sous les mêmes, j'ai ri. Ça veut dire, on t'utilise parce que tu dis que tu t'appelles Pichéri Mbalé. C'est des conneries. C'est des conneries, Pichéri. Moi, j'ai fait des efforts pour leur dire que c'est des conneries. La rébellion de 2002 a fait beaucoup de tort. Des gendarmes. Non, les questions de militaires, les questions de soldats, on ne joue pas avec ça. C'est un problème très sensible. Assimi Goïta sait ce qu'il fait en arrêtant nos soldats. Ce n'est pas au Mali que Abdoulaye Fofana est quitté. C'est du Mali que les pro-Soro nous défient la Côte d'Ivoire. Menacent la Côte d'Ivoire. Abdoulaye Fofana était au Mali. Abdoulaye Fofana, il était au Mali, au Burkina. Malgré tout ça, c'est toi, Pichéri Mbalé, qui t'en vas au Mali pour voir les Mokhtar. Mokhtar, là, c'est un pro-Soro. Elle allait au Mali, elle allait les voir. Elle allait faire des réunions avec eux. Il y a les images qui sont là. Elle a fait une vidéo. Les Sidi Mokhtar, là, c'est des Maliens. Tu t'en vas t'asseoir avec eux et puis tu nargues les autorités. Tu nargues ton pays. Non, mais il faut qu'on te montre que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour tout le monde. Hein. Ah non. Non, je viens juste pour toi, là, j'arrive. Je vous ai dit, si Sidi El Mokhtar, et elle fait que les petits Maliens là, ça dit ces voyous qui sont au Mali, n'ont pas de respect pour la Côte d'Ivoire. N'ont pas de respect pour la Côte d'Ivoire. Ces petits voyous au Mali là, n'ont pas de respect pour la Côte d'Ivoire. C'est sur sa page, mais moi je vais aller. Je vais vous montrer les images, partager la vidéo. Parce qu'il y a trop d'émotions, on n'est pas dans les émotions. Un vrai citoyen doit défendre son pays. Quand tu dis que tu es patriote, tu dois aimer d'abord ton pays. Voilà, tu ne peux pas laisser n'importe qui salir ton pays, humilier ton pays. Là, tu t'en vas soutenir Soro Diom. C'est Soro, toi, tu vas soutenir pour nous narguer. Elle est au Mali. Et les gens vont m'appeler, non, Zasso, votre pouvoir a fait ça, votre pouvoir est comme ça. Va pouvoir ceci. Je l'ai dit, je le répète. La démocratie, c'est le respect de la justice. La démocratie, là, c'est le respect de la justice. Voilà. Elle est partie au Mali, là, voilà, ses réunions, voilà. J'ai maintenant les images, même. J'ai les vraies images. Ceux-là, c'est des Maliens. Tout cela, c'est des Maliens. Voilà les Sidi El Mokhtar.
ce sont les grands financiers de Sion. Depuis la rébellion de 2002, les États en Côte d'Ivoire, la plupart des gens de Soro qui sont aujourd'hui au Mali, ils étaient dans la rébellion de 2002. La rébellion de 2002, ils étaient là. Ils étaient là. Voilà, la voilà. Il n'est pas de la société civile. Il est un parti politique. Il est proche d'Assimi Goïta. Il est proche de John Soro. Il est proche d'Assimi Goïta. Il est proche de John Soro. Il n'est pas de la société civile. Là, voilà les images. Elle est au Mali. Tous ceux-là, ce sont les gens, ce sont des mouvements pro-Soro. Tous ceux-là, c'est des mouvements pro-Soro. Elle veut nous cacher quoi? Voilà, voilà les leaders qu'elle a rencontrés. Voilà les leaders qu'elle a rencontrés. Voilà ces réunions. Voilà ces réunions. Alors, vous voulez qu'on cache quoi? Mais les Ivoiriens, il faut qu'on lui dise la vérité. Ah oui, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, hein. C'est les inconscients, là. Je dis bien les inconscients, les sales haineux, là. C'est eux qui doivent jouer le jeu de certains individus. Mais nous qui avons été là, qui avons vu nos frères mourir, qui avons vécu la crise, qui avons vu le sang, c'est-à-dire nous, là, on ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Je le dis à tout le monde. Puis Chérif Balé qui dit dans sa vidéo, c'est pas nous qui avons commencé. Mais on te dit, depuis 2013, il y a eu l'avancée des djihadistes jusqu'à Bamako. Ils étaient à quelques minutes de Bamako. L'Assimi Goïta était là, ils étaient soldats. Ils étaient des gradés de l'armée. Des djihadistes ont avancé jusqu'à Bamako, ils étaient à la porte. Et le président Ibeka appelle la France de venir le sauver. La France est venue s'interposer pour empêcher les djihadistes de rentrer à Bamako. Arsos était là. Comment il s'appelle? Assimi Goïta était là. Assimi Goïta était là. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. On dit la rotation a commencé depuis 2013. Plus de combien de soldats ivoiriens? Aujourd'hui, là, depuis hier, il y a combien de soldats ivoiriens qui sont actuellement à Tombouctou? Plus de 400 et 4 soldats ivoiriens sont actuellement à Tombouctou. Tombouctou, c'est la zone djihadiste. C'est où se trouvent les terroristes. Assimi Goïta, lui, il est à Bamako. Le pouvoir politique d'Assimi Goïta se limite qu'à Bamako. Les 60% appartiennent aux djihadistes. C'est de l'autre côté là-bas que nos soldats risquent leur vie. Plus de 800 soldats. Et le chef de l'État l'a dit, le jour de l'indépendance, le président Ouattara était clair. Il dit plus de 800 Ivoiriens qui sont tous là et beaucoup meurent. Mais ceux qui meurent là sont des Ivoiriens. Toi, tu te lèves, tu vas à Bamako. Tu n'es pas allé. Ça dit, en tant que qui? On prend des soldats d'un pays. Et puis toi, une comédienne comme ça, tu te lèves, tu t'as rencontré des gens qui sont des alliés de ces djihadistes, qui sont dans des mouvements bizarres. Tu t'en vas les voir à Bamako. Tu fais des réunions et tu t'en vas rencontrer même nos soldats. Ça dit, tu te donnes le droit d'aller voir nos soldats. Alors que tu sais qu'en âme et conscience, tu es pro-Soro. À quoi tu joues? Elle joue à quoi? Même si vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Mais une rébellion aujourd'hui, une crise politique là, le sang des Ivoiriens vont verser. Une crise politique aujourd'hui là, c'est beaucoup de sang. C'est beaucoup de sang qui vont verser en Côte d'Ivoire. Quand on vous parle, vous jouez le jeu des Maliens. Mais les Maliens ne sont pas développés. Vous arrivez au Mali aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus enclavés, les plus pauvres. C'est un pays enclavé, les plus pauvres. Et nombreux de leurs citoyens sont en Côte d'Ivoire. Un pays qui a plus de 5 millions de Maliens sur son territoire. On doit amener les Maliens à respecter la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à nous des Ivoiriens de jouer aux zouaves. Nous, on doit amener le Mali à respecter notre pays. Parce qu'on a plus de 5 millions officiels sur notre territoire. Sans compter ceux-mêmes qu'on n'a pas encore recensés. C'est des millions de Maliens que nous avons sur nos territoires. Moi, je ne peux pas pousser un Malien à désobéir à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Emmanuel Macron a été clair.
Il a dit, lui, ne coopère pas avec des régimes djihadistes. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, l'arrivée de Ibeka au pouvoir, de Roch Kabore au pouvoir, de Alpha Condé au pouvoir, le président Alassane Ouattara, tous ces chefs d'État sont venus voir le président Ouattara pour dire, aide-nous auprès de tes partenaires financiers pour nous permettre d'avoir des fonds pour développer notre pays. Parce qu'à cause des coups d'État, à répétition, à cause des coups d'État, aujourd'hui, aucune organisation financière n'a confiance à ces pays. Même vous-même qui êtes des citoyens aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont peur d'aller investir à Bamako, ont peur d'aller investir à Conakry, ont peur d'aller investir à Ouagadougou. Parce qu'à chaque fois, il y a des crises, il y a des djihadistes, il y a la peur. Personne ne peut prendre son argent pour aller investir dans un pays où il y a l'instabilité. Personne. Pourquoi tout le monde court en Europe? Pourquoi on aime les États-Unis? Pourquoi on aime la France? Parce qu'il y a la stabilité. On vous dit des choses simples pour que vous compreniez, mais vous pensez qu'on est contre vous. Moi, je vois des gens qui vivent aux États-Unis qui m'appellent. Ils sont en France, partout. Je dis, mais les pays où vous vivez là, est-ce que les coloris comme ça, ça se passe là-bas? Vous vivez dans des pays de grande démocratie et vous-même, vous savez que ces pays ont connu des moments difficiles. Mais les bêtises que vous faites ici, là, ça ne se passe pas là. Et vous-même, vous ne pouvez même pas vous permettre ça là. Pourquoi vous voulez que ça soit en Côte d'Ivoire, mais où vous travaillez? Où vous investissez, c'est investi pour que ce pays soit un grand pays, pour que cette génération que vous êtes là, vous relevez le défi de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, vous rentrez en Côte d'Ivoire, notre pays est beau, mais c'est des gens qui ont travaillé. C'est des gens qui se sont investis. C'est des gens qui ont donné leur vie pour que la Côte d'Ivoire soit là. Aujourd'hui, vous, telle génération, au lieu d'ouvrir vos yeux pour combattre les peuples maliens, vous êtes là, vous soutenez Assimi Goïta dans sa chose. Elle se lève. Voilà ce qu'elle allait faire. Elle se lève, elle va à Bamako, elle va raconter nos soldats. Voilà, on vous a montré ça, non? Ce sont les captures d'écran. Les captures, les conversations depuis chez nous, Bali. Je l'ai dit hier, je l'ai lu, bonjour. J'ai donné les 2 450 000 francs à Kwasi Adams, qui distribue entre eux ces 50 000 chacun. Ils sont très heureux. Ils sont très heureux, les pauvres, informe le boss. Le monsieur réagit, bien joué. Dit à monsieur Ben d'indiquer le lieu au chauffeur, je suis à l'hôtel avec les membres de la société civile, nous t'attendons. À la fin, d'accord, tout de suite, Ado va nous sentir. Ado va nous sentir. C'est-à-dire le président Ouattara va sentir son pucherie balai et ses soi-disant sociétés civiles du Mali. Ça prouve qu'elle n'a pas de respect pour son pays. Elle n'aime pas son pays. Elle suit un ancien chef rebelle qui s'appelle John Soro. Une femme comme ça, là, moi, je vais te combattre. Parce que tu es inconsciente. Tu montres que tu es immature. John Soro a mis des familles, des parents ici dans des conteneurs, des familles de gendarmes. Soro les a mis dans des conteneurs, John Soro. Il les a mis dans des conteneurs. Nombreux de nos parents ont souffert de la rébellion de John Soro. Ce n'est pas moi, un Ivoirien conscient, qui va soutenir John Soro, ce n'est pas possible. Ceux qui soutiennent John Soro n'ont pas de conscience. La plupart, ils sont analphabètes, ils sont inconscients, ils sont irresponsables. Mais des gens normaux, qui aiment leur pays, ne peuvent pas soutenir Soro. Pour tout ce que Soro a fait, on lui a tout donné. Il est devenu premier ministre. Il est devenu ministre de la communication. On lui a confié l'organisation des élections. Il est devenu ministre de la défense. Mais ça, c'était en violation de notre constitution. En violation flagrante de notre constitution. On l'a même mis à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. Soro avait 39 ans. En violation de cette même constitution, on a mis ce John Soro. Mais on ne peut pas toujours passer son temps à violer notre constitution. La constitution, c'est nous qui la votons. Nous ne pouvons pas accepter qu'elle subisse toujours des viols. Après, non, ce n'est pas normal. Il faut maintenant se relever. Il faut taper la main sur la... Et puis, il faut dire arrêtez. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas Soro qui va devenir président. En Côte d'Ivoire, c'est que nous, on est tombés, nous tous. On est tombés. Les 49 millions.
terre là. Ce n'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis partie au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venue, on dit pourquoi j'ai parlé de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Toujours est-il que, dans l'actualité, nous voyons qu'il y a des gens qui s'en prennent aux Maliens. Moi, je suis ivoirienne. Je dois défendre l'État de Côte d'Ivoire. Je dois défendre mon pays. Mais en même temps, autant il y a des étrangers ici, autant il y a des Ivoiriens qui sont étrangers ailleurs. Donc dans le traitement qu'on a envers les étrangers là, on doit penser aussi à nos frères qui sont ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand je parle, c'est pas que je défends les Maliens, mais il faut qu'on soit objectif. Moi, je vous ai dit qu'elle défend le Mali, elle n'a qu'à arrêter de nous narguer. Les 49 militaires, c'est pas nous qui les avons envoyés. Donc, c'est tellement clair tout ce qu'elle a dit, ça prouve, ça démontre clairement qu'elle, elle soutient le Mali. Parce que quand tu dis que c'est pas toi qui les envoie, mais c'est pas toi de les envoyer. C'est la République qui les envoie. Donc, si la République te parle, tu dois la fermer. Et toi, tu doutes de ce que le gouvernement a dit. Et tu dis dans ta vidéo qu'on a mené les soldats pour renverser la junte militaire, faire coup d'état contre la junte militaire. Mais c'est grave. C'est grave. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre en Côte d'Ivoire, qui va faire vidéo, et puis qui va dire l'état de Côte d'Ivoire fait ça, Côte d'Ivoire. Mais on va t'interpeller pour que tu donnes les preuves. Tu es allé au Mali, mais quand tu es venu dans ton téléphone là, je dis toujours aux gens, faisons très attention. Même dans les pays développés, tous nos téléphones, on sait ce qui se passe. En matière de sécurité, la technologie a tellement évolué qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire de mal à son pays. Moi, je suis fier du président Ouattara parce que depuis qu'il est au pouvoir, nos services de renseignement sont efficaces. En matière de sécurité nationale, nous sommes aujourd'hui l'un des meilleurs pays de la sous-région. Et personne ne peut nous défier. Sur ce côté, je le dis la vérité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu ne peux plus rien faire. Ça veut dire que tu vas poser des actes. Mais les jours qui arrivent, on va t'arrêter. Parce qu'on a tel niveau de développement. En matière de technologie, le président Ouattara a beaucoup investi dans la Côte d'Ivoire. Regardez les opposants qui ont voulu faire l'insurrection d'automne. La fille, ils sont eux autres. Demandez-le, ils vont vous dire Bédier, demandez à Bédier. Demandez à Rikona Bédier. Pourquoi Bédier est devenu calme? Bédier sait ce qui s'est passé. Bédier est devenu calme parce que c'est moi qui vous parle. Moi, je sais de quoi je parle. Je profite pour dire à Pichéry Gbalé que prison, c'est là-bas maintenant que tu as envoyé tes preuves. Tu as resté à la Maca et puis tu as fourni maintenant toutes les preuves que tu as contre la Côte d'Ivoire pour déstabiliser Assimi Gouita. Et prison, là, dites à ses partisans, à ceux qui soutiennent Pichéry Gbalé que Zasso dit, elle va rester à la Maca, elle va nous fournir toutes les preuves. Elle va nous fournir toutes les preuves qui démontrent que l'État de Côte d'Ivoire veut renverser Assimi Gouita. Parce que ça, là, c'est une déclaration de guerre. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle dit? Tu te lèves, tu vas au Mali. Et de ta bouche, tu dis, tu confirmes réellement que la Côte d'Ivoire envoie les soldats. Alors que nous, on a beaucoup de soldats qui sont là-bas. C'est les Maliens seuls, comme eux, là, ils ne comprenaient rien. Les partisans d'Assimi Gouita ne comprenaient rien. C'est au Mali seul que 49 soldats sans armes, 49 soldats qui n'ont pas d'âme, rien, peuvent renverser Assimi Gouita. Il faut être malien pour croire ça. Il faut être malien pour croire ça. 49 soldats qui sont allés dans un avion des aéronefs qui appartiennent à une société qui est au Mali, qu'on appelle la société SA. Les mêmes avions qui ont pris nos soldats, ce sont les mêmes avions qui ont mené la délégation togolaise au Mali et malienne au Togo. Mais la société là, elle fonctionne actuellement au Mali. L'objectif, c'est Assimi Gouita est clair. Assimi Gouita veut faire du Mali une base arrière de John Soro. Il a traité avec John Soro, ils ont fait leur deal. Si Soro fait un coup d'état qui prend la Côte d'Ivoire, Assimi Gouita va beaucoup bénéficier. Il aura le temps de rester au pouvoir au Mali pendant des années. Donc, le combat aujourd'hui de John Soro, il est toujours convaincu que Amadou Gon est mort, Ahmed Bakayoko est mort, il n'y a plus personne. Soro ne baisse pas les bras puisqu'on n'a pas encore arrêté, on ne sait pas où il est. Ce qui me fatigue moi-même personnellement, moi en tant que Zanzo.
Normalement, quand on est un élément dangereux hors de la Côte d'Ivoire, les autorités doivent quand même nous dire où se trouve Soro, qu'est-ce qui se passe, on doit savoir. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune information. Donc souvent, ça crée beaucoup de brouille dans la tête des Ivoiriens. On doit savoir quel pays qui héberge Soro. Qu'est-ce que Soro fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc nous, on est libérés, nous, le peuple, on est tranquille. On est tranquille. On ne sait pas pourquoi pour lui est comme ça. Là où on a arrêté beaucoup, on a arrêté les ABI, on a arrêté le CKCK, on a arrêté les autres, et on laisse Soro se permettre n'importe quoi. Moi, j'étais toujours à mes parents. À certains de mes parents qui ont aujourd'hui le grand pouvoir, qui décident de tout aujourd'hui, faisons très attention, soyons, c'est-à-dire, ayons le même traitement avec tout le monde. On ne peut pas arrêter les autres facilement, les traduire devant la justice et autres. Et jusqu'à présent, Soro se promène, il salit la Côte d'Ivoire. C'est lui qui allait dire à Sinou Goïta d'arrêter nos soldats. Il fait des réunions politiques au Mali. Il fait tout au Mali, il se promène tout. Il envoie des délégations sur les réseaux sociaux. C'est cyberactivé, il va insulter la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Souvent, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que nous, ça nous fatigue. Depuis combien d'années, on doit rester sur les réseaux sociaux pour toujours essayer de... C'est aussi fatigant pour nous. Et puis à la fin, moi je trouve ça aussi ridicule pour nous. Parce que moi je l'ai dit, dans un combat, on ne doit pas jouer avec l'adversaire. Soro a géré la rébellion. Soro a été premier ministre, ministre de la Défense. Soro a organisé les élections. Soro a eu une armée. Soro ne doit pas se promener dans la sous-région. Soro doit être arrêté. Diom Soro doit être arrêté. Et j'ai dit au président, votre monsieur le président, mettez, prenez toutes les dispositions avec ces pays qui gardent Soro et arrêtez Soro. Il faut que Soro soit pour une bonne fois arrêté. Parce que si Soro n'est pas arrêté, il ne se laissera toujours pas faire. Parce que lui, dans sa tête, là, il a déjà dit à Bédier, il a déjà dit à Gbagbo que lui va prendre le pouvoir. Quelqu'un qui a participé à une insurrection, qui a défié la République de la Côte d'Ivoire, qui a dit que Ouattara ne sera pas président, ce monsieur se promène jusqu'à présent. Et ce qui me fait mal, c'est tous ces cadres qu'on a nommés. Je le dis, je le répète, j'assume. Si Amadou Gon vivait, si Ahmed Bakayoko vivait, je ne suis pas convaincu que Assimi Goïta peut continuer comme ça et nous prenons Ouattara. Parce que l'objectif d'Assimi Goïta, c'est d'humilier la Côte d'Ivoire. Si Amadou Gon vivait, Ahmed Bakayoko vivait, je ne suis pas convaincu, moi, je sais de quoi je parle, parce que j'étais avec eux dans l'opposition. Je connais le caractère de mes ennemis. Je connais leur force. Je sais de quoi ils sont capables, parce que ce ne sont pas des gens qui sont fermés. C'est des gens ouverts, c'est des gens qui aiment connaissance, c'est des gens qui approchent les autres, c'est des gens qui veulent qu'on trouve des solutions pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, dans notre système, beaucoup de nos cadres, qui sont aujourd'hui, la plupart, ils sont beaucoup fermés. Et je voudrais persister, continuer de leur dire à certains de nos frères, je le dis, qui sont du Nord, les Maliens là, ils ne sont pas vos frères. Les Maliens là, ils ne sont pas vos frères. Vous êtes des Ivoiriens. Que vous soyez malinqués, vous soyez tant, vous êtes des Ivoiriens, les Maliens ne sont pas vos frères. Parce que c'est l'erreur que beaucoup d'entre vous sont en train de commettre. Vous pensez que les Maliens sont vos frères, les Maliens ne sont pas vos frères. Les frontières ont été tracées. Tout ce qui a été dit au temps des origines, ça c'était au temps des empires. Il y avait eu des empires. Nous ne sommes plus au temps des empires. Nous sommes maintenant des nations, on a notre pays. Tu es malinqué de Côte d'Ivoire, tu n'es pas malinqué du Mali, tu n'es pas malinqué du Burkina, tu n'es pas malinqué de la Guinée, tu es ivoirien. Assume ta position ivoirienne et défends ton pays, défends ton président, défends la Côte d'Ivoire. C'est ça qui doit être votre priorité. Mais tant que vous allez continuer de jouer les jeux de ceux qui sont au Mali et autres, dire que c'est vos frères, ils sont ceci, vous vous trompez. Hein? Tant que vous allez leur ouvrir toutes les portes au nom de ceci, ça c'était au temps des empires. On n'est plus dans les empires. On n'est plus dans les empires. Tu es malinqué de Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Ton frère n'est pas au Nord. Tes parents ne sont pas au Mali, ils ne sont pas au Burkina, ils ne sont pas en Guinée. Tes parents, c'est nous, la Côte d'Ivoire. C'est l'Atié, c'est l'Agni, c'est le Kouyaka, c'est le Senufo, c'est les Briers, c'est eux. C'est tous ceux-là qui sont vos frères. Les Maliens qui vous narguent là, parce que beaucoup utilisent ça, ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils font ceci, ils font cela, ils font. Il faut que maintenant ça prenne fin.
Il faut que cela prenne fin. Défendez votre pays. Si Assimi Goïta était votre frère, il aurait déjà libéré les soldats. Si Assimi Goïta était votre frère, il aurait déjà libéré nos soldats. Il n'est pas votre frère, il s'en fout de ça. Son combat aujourd'hui, c'est d'humilier le président Ouattara. C'est d'aider ceux qui ont fait un coup d'état contre le président Ouattara. Soit vous acceptez, ça c'est votre problème. Vous n'acceptez pas, c'est votre problème. Moi, de toute façon, je suis un homme politique. Nous, on continue de défendre notre président. Mais la honte, là, quand ça va tomber, ça sera pour nous tous. C'est vous qui êtes aujourd'hui riche, c'est vous qui avez tout. Si vous laissez demain Soro toucher à ce pays ou toucher au président Ouattara, c'est vous qui allez pleurer. Moi, je vous dis la vérité, c'est vous qui allez pleurer. Parce que depuis, je vous observe, je vous regarde. Je vous suis, je suis tous vos mouvements, vos comportements. Essayez de vous réveiller. Essayez de vous réveiller. Défendez la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, quand on fait des vidéos ici, Zassou est xénophobe, Zassou est ceci, Zassou est xénophobe. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Vous allez faire des vidéos, Zassou est xénophobe, Zassou est ceci. Mais allez, je l'ai dit, donc, à libérer nos soldats. Comme c'est maintenant vos frères, c'est vos parents, pourquoi on ne va pas libérer nos soldats? Et vous êtes là, vous pleurez sur les réseaux sociaux. Allez-y, l'a dit. C'est le président, ils sont en train d'humilier. Allez-y maintenant, comme ils sont vos frères. Allez-y, l'a dit, comme ils sont vos frères. Que c'est nos frères, c'est nos frères, c'est nos frères. Si on veut rentrer dans ça, et les gens qui sont du côté de Bondoukou, ils vont dire quoi? Les gens qui sont du côté de Noé vont dire quoi? Les gens qui sont du côté de l'Ouest vont dire quoi? Les gens qui sont du côté de Chaux vont dire quoi? Arrêtons ça. Concentrons-nous sur notre pays. Mobilisons-nous derrière notre chef d'État. Arrêtons de nous laisser distraire par des histoires d'empire. Les origines, là, ça c'est avant, c'est dépassé. C'est dépassé. Concentrons-nous sur notre pays. C'est tout ce que je vous demande. Ahmed Yao, nos soldats seront libérés. À chaque fois, je vous dis toujours, les soldats là, ils seront libérés. Les soldats là, si c'est moi Zassou, on aurait déjà avancé à ça. Moi, je vous dis la vérité, si c'est moi Zassou là, on aurait déjà avancé à ça. Assimi Goïta aurait déjà libéré les Ivoiriens. Nos soldats les auraient déjà libérés. Parce que je ne veux pas, et je le dis, et c'est ce que le président Ouattara fait, on ne tombera pas dans son chantage. C'est lui qui a plus le pression, parce que lui, dans sa stratégie, il préfère distraire le peuple malien en faisant croire que non, Ouattara veut me renverser. La Côte d'Ivoire veut me renverser juste parce qu'il ne veut pas affronter les djihadistes. Il avait fait un coup d'état pour affronter les djihadistes, pour chasser les djihadistes. C'est ce qu'il reprochait à Ibeka. Assimi Goïta veut prendre du temps. Assimi Goïta veut créer son empire. Assimi Goïta veut s'imposer au Mali. Assimi Goïta veut contrôler le système malien depuis Bamako. J'ai dit bien Bamako. Les djihadistes vont rester là-bas et puis lui reste à Bamako. C'est dans son business. Donc comme il sait que les Maliens ne comprennent rien, les Sekou Touré, les Sekou Tunkara, les Job Bala et autres qui sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter la Côte d'Ivoire, comprennent rien. Donc il assied à Bamako et puis il nargue le peuple malien. Voilà ce que c'était, voilà le vrai problème. Mais plus il a les soldats, plus c'est lui qui a la pression. Parce que nous, ce qu'il demande, on ne va pas donner. On ne va jamais demander à la Bessiao ou à Lumois d'aller donner des milliers à Assimi Goïta. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est illégitime. Il a fait une rébellion, il a fait une mutinerie. Il a fait un coup d'État. Il est illégitime. Nous n'allons pas céder parce que le faire là, c'est légitimer les coups d'État. Quand tu es intellectuel et que tu soutiens des djihadistes, si tu soutiens Assimi Goïta, c'est que tu soutiens djihadistes. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les djihadistes et Assimi Goïta. C'est la violence. Ils utilisent la violence pour s'emparer des systèmes. Il n'y a pas de différence entre Assimi Goïta et la djihadiste. C'est la violence, ce sont les armes. C'est les armes qu'ils utilisent pour prendre le pouvoir. Donc moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas être intellectuel et puis soutenir des djihadistes, non. Pour soutenir des jeunes militaires, non. Je suis un intellectuel. Je suis un intellectuel, je ne peux pas soutenir des pouvoirs militaires. Je ne peux pas soutenir des djihadistes. Si je condamne les djihadistes, les terroristes, je dois condamner Assimi Goïta. Ça, c'est clair, c'est mon opinion, on ne peut pas m'enlever ça. Donc, je voudrais dire aux gens, il est temps maintenant pour Pichéline Balé. Vous qui la soutenez, tu pleurnichez là, ça c'est votre problème. Vous pouvez continuer de pleurer, c'est votre droit. On ne peut pas vous enlever ça. Mais Pichéline Balé va rester là-bas à la Maca et puis elle va nous donner maintenant ses preuves. Comme elle sait que nous avons renversé Assimi Goïta, comme elle sait que c'est nous qui avons fait ça, comme elle sait qu'on est ceci, elle va rester là-bas pour nous donner des preuves. Et nous attendons le verdict de son procès et la justice doit aller vite, vite. On n'a même pas besoin d'attendre ça.
Dans les pays développés, là, il y a longtemps, on a déjà classé son dossier. On l'a condamné bien là-bas. Comme elle est consciente, elle ne sait pas qu'elle a une famille, elle a des enfants. Mais c'est Soro, elle veut sauver. Elle n'a qu'à sauver Soro. Mais à cause de Soro, là, nos parents sont morts. À cause de Soro, là, nos frères sont tombés. 60% du territoire. La Côte d'Ivoire a tout perdu. Donc, nous, on ne fera pas l'apologie de Soro. Parce que nous, on a vécu la crise ivoirienne. C'est ceux qui n'ont pas vécu, qui étaient sur une autre planète, qui soutiennent Soro. Mais nous, là, on ne peut pas soutenir Soro. Parce qu'on aime notre pays. On aime la Côte d'Ivoire. On veut la paix. On veut le développement. On est pour la stabilité. On veut que la Côte d'Ivoire soit l'un des pays les plus forts de la sous-région. Nous sommes dans l'esprit de continuité des actions de Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes les bénéfices de Félix Houphouët-Boigny. C'est pour ça que je voudrais encore dire à nos cadres, il faut que beaucoup se réveillent. La plupart de nos cadres aujourd'hui, tu sors le président Ouattara, ils n'ont pas mené le combat du RHDP. Ils n'ont pas mené le combat du RDR. Quand le premier ministre Amadou Gon a pris le pouvoir, il a fait venir beaucoup. Ces gens-là, ils sont assis en haut, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils sont assis en haut, ils sont dans notre gamme, level. Aujourd'hui, dans le système, après le président Ouattara, on ne sait pas qui a un destin. Si on veut capturer aujourd'hui, là, dans nos militants, là, dans nos cadres, ceux qui laissent leur région pour mobiliser ailleurs, je peux peut-être citer le ministre Adjoumani, je peux citer peut-être, comment on appelle, Yassina Diaby qui était bien parti, que jusqu'à présent, on a remis en 10e, on ne sait pas où on est. Moi, je prie Dieu pour qu'on ramène Yassina Diaby. Il faut ramener Yassina Diaby dans le parti, il faut lui donner un poste important. Les ministres comme Adjoumani, il faut leur donner encore plus de place parce que eux là, ils connaissent le terrain, ils sont sur le terrain. Partout où ils arrivent à s'imposer dans les régions. On a besoin de ces gens de cadre. On a besoin des gens aujourd'hui qui vont mobiliser la masse. Qui vont relever ces grands défis que le président Ouattara relevait hier. Quand le président Ouattara sort, c'est le monde. Aujourd'hui, là, il faut reconstruire ça. L'opposition est plus sur le terrain. Kone Katina est partout. Depuis que Kone Katina est venu là, il est à l'ouest. Il est ici, il est ici, il est ici. Pour nous, ils sont devenus riches. Ils sont devenus puissants. Ils ont commencé à mettre des clôtures, les clôtures sur leur maison. Vous voyez clôture de leur maison, c'est long, 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 on ne peut plus rentrer dedans. On ne peut plus rentrer dedans. Leur téléphone, on ne sait pas où ils sont. On ne sait plus où ils sont. Quand tu parles, ils n'écoutent plus. Mais c'est le pouvoir. Quand les pouvoirs là, c'est pour ça que je dis, allons-y et que Dieu, Esther Xavier, va porter plainte. C'est qui ça? Non, Ibe El Walid, le Mali ne peut rien faire. Ça dit, quand vous parlez, puis tu dis attaque le Mali. Le Mali, ça dit, si on attaque le Mali, ce serait un calvaire pour le Mali. Si nous, la Côte d'Ivoire, on se lève demain, on engage des mouvements militaires à la frontière du Mali, les djihadistes là vont rentrer à Bamako. Les djihadistes là, ils vont rentrer à Bamako. Est-ce que vous savez qu'actuellement à Gao, Gao est occupé par les djihadistes? Les 60% du territoire, Assimi Goïta a lancé un appel aux jeunes soldats maliens pour aller dans les zones, ils disent vont pas. Aujourd'hui, les Maliens préfèrent plus être à Bamako, les soldats, que d'être de l'autre côté. Suivez bien l'actualité du Mali. Tous les soldats préfèrent être à Bamako que de rentrer dans les zones djihadistes. Vos avions là, ça ne voit rien. Avions là, tu as payé, mais leur combat là, c'est terre depuis des années. C'est des gens, ils sont habitués, des djihadistes, ils sont dans la population. Donc si nous, la Côte d'Ivoire, on essaie demain là, le Mali là, ce serait